Heureux. Ouais, c'est encore coupé. Bon, ça arrête pas de couper, c'est normal. C'est ma connexion, c'est pas. Je pense qu'au bout d'une heure, une heure et demie, ça coupe. On sait pas pourquoi, mais voilà. Ça qui est formidable avec ma connexion de merde. Tant que la fibre ne sera pas là, ça sera compliqué. Ça va être complicado. Alors, monsieur. Monsieur Weeby. Elle ne marche pas. Quoi, comment ça? Elle n'entre pas dans la serrure. Non, ça, c'est normal. Tu as fabriqué une clé qui ne marche pas. Tout dépend de ce qu'on entend par marcher. Elle nous fera sortir d'ici. Mais pas en ouvrant des portes. Comment alors? Tu vas t'en servir pour dérober la vraie clé au directeur. En échangeant la nôtre contre la sienne. Pourquoi ne pas voler la vraie clé? Pourquoi tout ce stratagème? Il verra tout de suite si elle a disparu. Alors que là, il se c'est doutera pas bête. Et quand il voudra s'en servir, il le fera pas. C'est pour ça qu'on le vise. Comment arriver jusqu'à lui? Ah, ça tu risques de pas apprécier. Il faudra faire de la bagarre. Ici. Allez, parle. Tu vas devoir te battre. Quoi? Bats-toi, ils te jetteront dans la fosse. Et comment cela va-t-il nous aider? C'est le directeur qui surveille la fosse. Le seul moyen de l'approcher, c'est d'aller là-bas. Je dois reconnaître que c'est un plan bien complexe pour me faire risquer ma vie. Assommes-en le plus possible. Et pas seulement un ou deux, ça ne fera que distraire les gardes. Tu dois les mettre en colère. Bah, dis donc. Va falloir foutre la merde. Hein. Tâche de rester en vie. Foil Docteur Love. Et merci beaucoup Akira pour ton troisième mois de resub. Ah, oh, merci beaucoup quoi. La licorne, yeah. Et bonsoir, bonjour, comment ça va? Putain, la licorne. La licorne qui va bientôt arriver. Hein. Elle arrivera à partir de lundi, elle va partir. America! Aïe aïe aïe! America, fuck yeah! Oh, ça va être quelque chose. Hein. La licorne! Mais promis, j'en prendrai soin. Promis, je vais en prendre bien soin. C'est content que tu aies gagné mon play. J'avoue! J'avoue, mais je la voulais pas de suite, mais je m'attendais pas à la voir de suite par contre. Comme je disais à Kappa, je m'y attendais pas, généralement j'ai pas spécialement de chance sur ce genre de tirage au sort, sur ce genre de truc, en tout cas j'étais très 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 content de la voir en tout cas. Ça t'as eu comme un gars, j'avoue. J'ai peur que tu ne sois pas là pour postuler. Ah si, quand même. Si j'avais vu le message, je me dis putain vite, à 20h il faut que j'y aille. C'est le destin du pouvoir de la perruque qui compte. Mais c'est tellement ça. C'est le destin qui a fait que. Honte sur vous tous. Vous êtes la lie de la société, des sangsues, des parasites de la civilisation. Un ramassis de voleurs et de canailles. C'est ça. Reconnaissez-vous au moins vos torts. Cherchez-vous. C'est le destin. Le destin a décidé que. Tu vas être belle comme une licorne. Ah, je vais être la licornasse. Tu vas nous faire rêver. Ah, mais j'espère bien. Je dois m'efforcer de ne pas donner l'alarme. Mais j'espère bien en tout cas vous faire rêver. En tout cas, un grand merci. Merci à toi pour cette initiative qui est extraordinaire. Là, le coup de faire justement tourner une perruque à tous les streamers, franchement, c'est génial quoi. C'est génial.
C'est énorme. À l'initiative est juste génial, franchement. Ça crée de la connexion, mais totalement. Totalement, ça va créer quelque chose. Il est là, lui. Ikki se trouve derrière cette porte. C'est là qu'ils enferment les prisonniers. Streamer, c'est ça. Des grandes cellules, agréables, bien mieux que les nôtres. À croire que même en prison, les relations font la différence. Merci, Mason, pour toute ton aide. Je m'acquitterai de ma dette envers toi quand j'en aurai fini ici. Trouver Ikki dans le temps imparti. Aïe aïe aïe. Merde. Il me tarde trop mes boss, pareil, moi il me tarde aussi. Il me tarde aussi de le faire. Il me tarde aussi de l'avoir, la perruque. Pour commencer à faire l'andouille avec. Et surtout de la passer. Et surtout de la transmettre. J'ai surtout hâte de l'avoir pour après la transmettre. Attends là. Voilà. Vous m'avez pas vu. Vous m'avez pas vu. Espèce de crétin! Je connais de meilleurs moyens de perdre mon temps. Hé, hey, là-bas, halte! Il croit pouvoir nous échapper! Hop là, il m'a vu, mais. Voilà, il m'a vu, mais il m'a pas vu. Arrête-toi tout de suite. Voilà, là il m'a vu. Ah, ça va, 2 sur 2. Pas la mort non plus. Oui. Oh, juste à temps. Juste à temps. Et là, patatrac, c'est un garde. Tu t'attendais pas à ça, pas vrai? Qu'avons-nous ici? Je croyais que nous vous avions éradiqué. C'est bien la méthode des Templiers. Éliminez tous ceux qui ne partagent pas votre opinion. Coupable, votre honneur. Ton implication dans la Révolution nous a causé beaucoup d'ennuis. Cela doit cesser. Notre tâche est trop cruciale. Mais pourrais-tu le comprendre, entre les mensonges dont t'abreuve Achille et ceux que tu te racontes? Je sais que le peuple veut la liberté, et que les hommes comme Washington peuvent la lui offrir. Je t'en prie, c'est un faible. Il bégaye et trébuche à chaque bataille, et il ne cesse de s'enfoncer. Sa carrière n'a rien de brillant, sans parler de ses prouesses militaires. Je pourrais continuer ainsi pendant des jours, tant ses défauts sont nombreux et ses mérites inexistants. Il doit disparaître. Et toi aussi. Nous n'avons que trop souffert de votre présence. Voilà comment on va faire. D'abord, on va te ligoter et te ramener en cellule. Et demain, tu passeras en jugement pour avoir comploté contre ce vieux Jordi. Et peut-être aussi pour le meurtre du directeur. C'est toi qui l'as tué après tout. Qui osera mettre en doute la parole de Charlie? Et quand tout ça sera réglé, eh bien... Il y a toutes ces années, l'enfant dans la forêt, c'était toi. J'avais fait une promesse. Et tu l'as tenue.
Mais pas ainsi que tu l'espérais, n'est-ce pas? Tu sais, nous aurions pu éviter tout cela si tu avais fait ce que je t'avais demandé. Mais c'est désormais trop tard. Ah bah voilà. Bon bah super. Au poulet Akira, et oui, il est là. Il est là. Il est là, le plus beau des moustachus. Comment ça? Comment ça, ça a pas compté en objectif? Oh, mais c'est nul. Debout. Ce scam. Allez, lève-toi. J'ai dit debout. Avance. Adieu. Ah bah putain, tout ça pour ça. Tout ça pour finir à la pendaison. Bonjour, connard. Tu n'espérais pas échapper à notre fête d'adieu, hein? Il paraît que Washington sera là en personne. J'espère qu'il ne lui arrivera rien. Tu disais qu'il y aurait un procès. Ah, les traîtres, on ne les juge pas, mon ami. Lee et Tam y ont veillé. Toi, tu files droit à la potence. Je ne vais pas mourir. Et je vais te faire la peau, Thomas. Ça suffit! Dépêche-toi! Aïe, aïe, aïe. Ouah! Je finis à l'échafaud! Oh, j'ai entendu un squack! Mais c'est qu'il y a des assassins. Oh là 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 là. Non, on va mourir. On va mûrir. Non. Tu n'es pas seul. Fais-nous signe quand le moment viendra. Ne te soucie pas de moi. Tu dois arrêter Ikki. Il va... Allez, grimpe. Fais pas attendre ton public. Vous vouliez jouer les héros, hein? Toi et ce vieux Georgie. Vous allez voir ce que ça rapporte. Oh, je passe à travers le mec. Mes frères, mes sœurs, amis patriotes, il y a quelques jours, nous avons mis à jour un complot si vil, si infâme, qu'en répéter la teneur me donne la nausée. Cet homme avait l'intention de tuer notre bien-aimé général. Une honte. Ah, et en arrière-plan des assassins. Une folie a pu l'y pousser, et il n'essaie même pas de se défendre. Ou de s'amender. Nous l'avons prié, et même supplié de nous révéler ce qu'il sait. Mais il s'est muré dans le silence. Si cet homme refuse de s'expliquer, d'avouer son crime et d'expier ses fautes,
quelle autre solution s'offre à nous. Son intention était de nous livrer à l'ennemi. La nôtre, guidée par la justice, sera de le livrer à la mort. Que Dieu ait pitié de ton âme. Allez, c'est parti! Il faut arrêter Ikki. Vas-y. Oui! Let's go! Je vais aller l'arrêter. Allez, allez, allez! Voilà, c'est bon, l'ami! Let's go! Let's go! Bon sang. J'aurais aimé survivre à ce jour historique. Dommage. Je veux des réponses. Pourquoi Johnson voulait-il les terres de mon peuple? Pourquoi Pitcairn visait-il Adams et Hancock? Pourquoi assassiner Washington? Pourquoi ton ordre s'est-il allié aux Anglais? Comment je le saurais? Les Templiers, Lee, notre chef et Tam, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. C'est pour ça que je me suis mis avec eux, y a pas d'autre raison. Oh, bien sûr, ils ont aussi leur grand projet, pour l'avenir du pays. Mais j'ai jamais rien eu à faire de ça. Ils peuvent chanter leurs chansons sur la vie, la mort et la patrie. Ils peuvent mijoter leurs plans, et tendre leurs pièges. Moi, ça me fait rien. Ils m'ont payé, et j'ai fait mon travail. Me demande pas pour qui ou pourquoi. Je m'en moque. Tu as choisi de t'allier avec ceux qui voulaient nous voler nos libertés par simple appât du gain. Et pourquoi pas? Je suis pas assez naïf pour tout sacrifier pour des principes. Et puis c'est quoi un principe? Ça vaut combien un principe? Me regarde pas comme ça. On n'est pas pareil, toi et moi. Tu n'es qu'un rêveur qui cherche à accomplir l'impossible. Mais moi, je suis heureux avec une bière à la poigne et une femme sur les genoux. Pour moi, petit, le bonheur est à portée de main. Je l'ai empoigné. Mais toi, tu auras toujours les mains vides. Repos, soldats! Repos! Baissez vos armes, crétins! Cet homme est un héros! Le général est vraiment un homme buté, parfois. Il ne nous a pas cru quand on l'a averti qu'il était en danger. Arrêtez! Il a voulu tuer notre commandant, et il a failli vous tuer, vous! Ce n'était qu'une vile crapule. C'était un être humain. Encore un homme de principe. Où est Washington? Je dois absolument lui parler. Il a disparu dès que les choses ont tourné au vinaigre. Il doit probablement être en route pour Philadelphie. Je dois m'y rendre. Que se passe-t-il? Il est toujours en danger. Ikki avait des complices. Aïe aïe aïe. Couplette, je disais que j'étais content que Foles ait gagné la perruque, car Foles et toi étaient les plus motivés depuis le début. Ouais, putain, ça, c'est clair. C'est clair qu'on est motivés. Autant Kappa que moi et sommes motivés, mais à 2000. À 2 minutes le jeu, 2 secondes le jeu. On parle, là, tu me laisses pas le temps de parler. Non, mais c'est clair. Mais franchement, cette. C'est une expérience, extraordinaire, franchement extraordinaire, cette, le fait de tourner la perruque, de faire tourner la perruque, putain. C'est juste mais putain, c'est génial quoi. Mais putain non, c'est une expérience extra que tu nous proposes de vivre, que tu nous donnes, c'est une chance aussi, c'est une chance pour nous de vivre ça.
de vivre ça, c'est voilà, c'est de base c'est parti sur un délire, mais en fait ce délire, tu verras que le délire, il va prendre de l'ampleur, il va prendre une ampleur que personne n'aurait prédit une telle ampleur. Pour moi, c'est quelque chose qui va être énorme. Il va y avoir, bien sûr, ça va créer une émulation, hein. Ça va créer une émulation. Mais je pense que l'ampleur va être, c'est des petites graines, mais c'est des petites graines d'un grand platane. Et ce grand platane, c'est limite, on met de la poudre d'os dessus, comme dans Minecraft, on l'arrose un peu, ça va pouf, et d'un coup, ça va exploser. Il me tarde, la perruque va pas tenir longtemps. Ça, par contre, malheureusement, elle risque de pas tenir longtemps. Si elle est déjà abîmée, elle risque de pas trop tenir longtemps, ouais. Non, ça serait. Franchement, je croise les doigts pour que Kappa la récupère juste après. Comme ça, elle pourra avoir la perruque elle aussi. Parce que si la perruque elle tient 2-3 streamers, après, voilà quoi. Ça va être. Faudra en acheter une peut-être. C'est possible. Mais en tout cas, non, franchement, c'est juste génial quoi. C'est juste génial c'est génial. C'est extraordinaire. Ouais, discretos, ah oui, discretos. Hein. Serait-ce un compliment ? Ne te méprends pas. Hop, ni vu ni connu. Cette folle entreprise aura une issue tragique, j'en suis sûr. Mais le chemin parcouru dépasse de loin ce que j'anticipais. Par contre, putain, à la fin. Le peuple voulait la liberté, à la fin, je serais curieux de savoir comment elle va sentir. Déjà, comment elle sera. Non. Mais surtout, l'odeur qu'elle va avoir. Tu as toujours fait preuve d'humilité. Je fais ce qui est juste. Ni plus ni moins. Oh, elle va avoir une odeur. Il le faut. Ah, ça va être, sera costaud. Il le sera plus. Elle sentira pas l'arc-en-ciel. Hein. Elle sentira pas les paillettes et l'arc-en-ciel. Tu saperas davantage sa détermination. Et si Washington est paralysé, Charles Lee frappera. Tu seras la cause directe de ce que tu cherches. Licorne macérée sous les aisselles en plein cagnard. C'est ton devoir. Vieux bouc. N'entraîne pas. Bah déjà, ce sera du vieux bouc à l'odeur de vieux bouc. Aïe aïe aïe. Nous devons tous serrer les rangs. Oui, car si nous ne demeurons pas unis, nous finirons tous pendus dans notre coin. Une fois de plus, tu nous sauves. Il faut que je parle à Washington. Il est parti défendre New York. Les Anglais veulent s'en emparer. Je crains qu'il ne nous faille rappeler nos troupes du Québec. Déclarer notre indépendance est une chose. Désormais, mon ami, il nous faut la gagner. Mais non, vieux bouc, pas bou, j'ai ripé. Oui, bah, t'as ripé, mais je pense qu'elle sera aussi en petit bout, en vieux bout. Mais à l'odeur de vieux bouc. Tout se passe bien ? Sean a trouvé une autre source d'énergie. Aïe, aïe, aïe. J'ai demandé à Rebecca de nous dégoter un avion. Oh putain. Oh, j'adore la synchro des doigts. Au Brésil. Des vieux bouts de bouc, quoi, ça va être ça, ouais. Brasil. Bienvenue au Brasil. C'est Brasil, c'est carnaval. T'es là, Rebecca? Le signal est très mauvais. Tu m'entends? Bien, content de voir putain, que le mec, ça marche. Il passe à travers le métro. Ça ressemble à ça, le métro.